je vais t'appeler plus tard, ok? Ok, bye, bye, bye. Kevin, est-ce que tu as tout préparé? Il nous reste quelques secondes avant de commencer, Kevin. Ah oui, tous oui, les ingrédients oui, sont oui, sur oui, la oui, table. Madame, madame. Mm. J'ai fait des mains et des pieds, mm. et toutes les choses, on a trouvé toutes les choses. Oh, on va commencer maintenant. Cuisine pour ton amoureux. 5, 4, 3. Bonjour, mes chers amis. Aujourd'hui, nous avons un programme magnifique. Nous allons en Italie pour préparer un succulent plat méditerranéen. Pour bien sûr, notre prince bleu, le soleil de chaque matin, notre l'homme de notre vie. Prenez note, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les ingrédients sont la pâte, la sauce de tomate, des champignons, verre de vin blanc, du sel, une aubergine, mais n'oubliez pas la passion, la confiance et aussi la dévotion. Mais aujourd'hui, nous avons un nouvel ami et aussi un nouvel assistant dans notre programme. Tout le monde dit « Allô Kevin !» « Allô Kevin !» « Allô tout le monde, je suis Kev et je suis Kevin, tout le monde peut m'appeler Kev. Je suis très content de ser ici, je suis très... Merci Kevin. Je te mets pas la soirée, je parle beaucoup. Premièrement, comme nous le savons déjà, c'est important de couper l'oignon très finement. Finement. Oui. Et aussi, parce que toutes les choses de notre vie, on doit faire avec beaucoup de patience. Mm-hmm. Parce que c'est la raison de notre de nous restons ici. Les petits détails sont les sel et les poivres de la vie. Oui? Bien sûr, bien sûr. Ok. Aujourd'hui, on doit lire la première lettre d'aujourd'hui parce que vous nous voyez des lettres à notre programme. Et notre première lettre aujourd'hui, c'est Justine. Notre chère amie Justine. Je commence à lire la lettre de Justine. Fantine, je t'écris pour te remercier beaucoup pour ta dernière recette qui m'a aidé à trouver l'amour de ma vie. Fernando Tremblay. Fernando, qui a mangé les souffles de thon chez Justine? Non, je suis contente qu'il ait trouvé l'amour de sa vie. Avec la recette qu'a donnée ma grand-mère. Fernando, tu dois de manger mon soufflé, Fernando. Chez nous, tu manges ça. Il ne sait pas où donner la tête. Il va finir cette recette. C'est facile. Oui. Ok, on doit mélanger. Coupez finement. Coupez finement seulement. Oui, oui, ok. C'est fini. Voilà. La plus merveilleuse des cochonneries. Il faut cette recette sur la toile. Oui, c'est très bon. C'est très bon, oui. La... on ne peut pas trouver un restaurant pas cher ici à Montréal. Oui, oui, c'est très cher. Mais avec cette recette, je pogne à belle fille. Oui, je ne suis pas mal smart. Non. La dernière fois, j'ai trouvé une fille qui m'a coûté le sou de la tête. Oui, mais avec cette recette, j'ai trouvé une fille pour des pinottes. Ah, elle a été très contente, Fantine. Tu es la meilleure. Tu es vraiment très, très, très bon. Cher ami, la passion. La passion, la passion, la passion. Cher Justine, cher Justine, on va trouver une autre recette que Fantine va préparer pour retrouver l'amour de sa vie, Fernando. Oui? Prépare-toi, Justine, parce que Fernando, il ne va pas manger toute sa vie la même cochonnerie.
Bien sûr. Bien sûr. Mes amis, le temps vole. Vraiment. Il est nécessaire d'ajouter tous les autres ingrédients dans les mélangeurs et après ça, tout va à sa rôle. Attention, tout au folant. Folant. Oui. Les meilleures choses dans la vie prennent leur temps. En terminant, mes amis, s'il y a un doute qui persiste dans vos relations amoureuses, on doit toujours ajouter la sauce tabasco.